Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient le cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Vous regardez Figure, l'émission où l'on essaie de décrypter l'utilisation d'une figure rhétorique à travers une figure politique. Monsieur Hamon, petit nouveau que personne n'avait vu venir. Il a su, grâce à la popularité de son revenu universel d'existence, et surtout grâce à l'incroyable impopularité de son imposant mais ancien patron, Manuel Valls, s'imposer comme le représentant du Parti Socialiste, même si ce dernier fait un peu de résistance, oubliant alors même les principes régissant son fonctionnement interne. Et j'observe que beaucoup, aujourd'hui, oublient les principes les plus élémentaires. Dans la vidéo précédente, nous parlions de ces grandes écoles qui mènent aux partis politiques, mais nous n'avons pas évoqué l'une des autres filières productives, le syndicat étudiant. D'ailleurs, c'est par cette porte que Benoît Hamon s'est retrouvé au Parti des éléphants roses. Depuis, il a eu plusieurs fonctions politiques. Assistant parlementaire, président des jeunesses socialistes, secrétaire national du parti, porte-parole du parti, conseiller municipal, conseiller communautaire, député des Yvelines, député européen, ministre de l'éducation nationale, ministre délégué à l'économie. Notons aussi qu'il a été directeur du planning stratégique de l'institut de sondage Ipsos, qui le donne aujourd'hui à 10% d'intention de vote. Parce que oui, malgré un parcours très anti-système, il a bien du mal à percer. Je suis pas fondamentalement convaincu par cela. Alors aujourd'hui, pas une minute à perdre, nous allons parler de l'ANAFOR. Alors je pourrais mettre des plombes à vous en expliquer le fonctionnement, mais une vidéo saurait finalement résumer le tout en un temps record. Moi, président de la République, j'aurais aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferai réformer. De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat. Moi, président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle pour les élections législatives. Moi, président de la République, moi, président de la République, moi, président de la République. Moi, président de la République. Anaphore, deux points, action de répéter un élément au début de syntagme. Il s'agit donc d'une figure de répétition. Figure qui, il faut bien le dire, est très courante même si son impact n'est finalement positif que chez ceux qui sont déjà convaincus, parce que ceux qui n'adhèrent pas au discours l'apprennent souvent comme le témoignage d'une mauvaise foi. Alors forcément, Hamon comme les autres en utilise pas mal, notamment dans son discours de Bercy du 19 mars, parfois non sans mal. À ceux qui m'ont montré l'exemple, à celui qui commença à 16 ans, à celle que rien n'empêcherait, même une petite retraite après une vie de secrétaire, de préparer chaque année les étrennes de ses enfants. Et prenons un petit exemple parce que ça ne mange pas de pain. Ces sophistes qui nous expliquent que la réponse à la crise sociale, c'est un peu moins de code du travail, que la réponse à la crise écologique, c'est un peu plus de nucléaire, que la réponse à la crise démocratique, c'est un peu plus d'hommes providentiels. Ces sophistes qui nous expliquent que la réponse à la crise sociale, c'est un peu moins de code du travail, que la réponse à la crise écologique, c'est un peu plus de nucléaire, que la réponse à la crise démocratique, c'est un peu plus d'hommes providentiels. Alors commençons par l'anaphore, nous avons une petite répétition de la séquence que la réponse à la crise blablabla, c'est un peu de blablabla, produisant trois syntagmes différents qui renvoient aux sophistes, dont on se moque ici, c'est-à-dire finalement les adversaires de Benoît Hamon. Autre caractéristique notable, c'est l'opposition entre le « c'est un peu moins » et le « c'est un peu plus », témoignant d'une ironie certaine, tout d'abord, mais aussi de la mise en relief de ces choses contre lesquelles se dresse Benoît Hamon. Oui. D'ailleurs, notons que d'un côté, nous avons ici les thèmes centraux défendus par le candidat socialiste, le social, l'écologie, la démocratie. De l'autre, on trouve ce qu'il considère comme étant justement ce qui induit les crises qu'il dénonce. Moins de code du travail, plus de nucléaire, plus d'hommes providentiels. Oui. Un énoncé rhétoriquement très bien construit, paradoxalement dirigé contre les sophistes. C'est sophiste. Alors que ce mot désigne traditionnellement justement les spécialistes de la rhétorique et de l'éloquence. Aujourd'hui, certes, ce mot est utilisé péjorativement contre les agitateurs de foule et les désinformateurs de premier ordre, comme les complotistes, les extrémistes, et bien sûr les divers politiciens composant encore, mais on ne sait pas encore tout à fait pour combien de temps notre paysage politique. Oui. Les anaphores chez Hamon en croisent par bassine, mais toutes ne sont pas aussi sophistiquées. Alors je sais d'où je viens. Je sais pour qui me bats, je me bats. Je sais à qui je suis fidèle. Tant mieux, ce n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas? Courage, petit Benoît, on se souviendra peut-être encore de toi dans quelques mois. Sait-on jamais? Mais t'en penses quoi, toi, Benoît? Il n'est pas dit que Benzema soit indéfiniment exclu de l'équipe de France. Non mais vous vous rendez compte, Michel Field? Il paraît qu'il y a encore une émission de Bobo Gauchiste qui vient de sortir. C'est Jeune et ça c'est tout qu'ils appellent ça. Avec Usul, Gaël et Linguisticae. C'est intriguant, hein. Faudrait les surveiller de près, moi je dis.
C'est jeune et ça c'est tout. Un podcast de société avec des chroniqueurs, des invités et des imitations pétées. Abonne-toi.